Les amis, c'est très grave. Aïcha Kamara vient de donner un KOOO. Alors, Kameni, KO et encore deux O. K avec trois O. Vous connaissez quand même le KO, non? Vous regardez souvent le combat de Ngannou qui donne souvent le KO et il donne encore l'autre O. KO, tu tombes, il tape encore un autre coup. Boum. Maintenant, Aïcha Kamara a donné un K avec trois O. Alors, Kameni, confirmez-vous-même. Non, Kameni, quand on te regarde, on sait déjà que tu es une collecte de spermatozoïdes. Qu'est-ce qui peut bien sortir de ta bouche, Lord Kameni? Lord Kameni, tu te lèves aujourd'hui avec tes cheveux comme pour les feuilles de chou. Tu te lèves pour venir dire que oh, Aïcha Kamara est dans la secte de son père. Pourquoi dès le départ, au tout début, quand tu sortais le nom de tous les influenceurs, tu n'as pas sorti mon nom? Pourquoi dès le départ, parce que tu as dit que tu étais là pour dénoncer? Pourquoi dès le départ, tu n'as pas dit que Aïcha Kamara c'est une réseau chrétienne, son père a fait que je vais vous raconter la vie de Lord Kameni en quelque sorte. Lord Kameni était marié en Gaoundéré, le père de ses deux premiers enfants. Lord Kameni a commencé à avoir une relation avec le voisin. Quand son mari partait au travail, elle restait baisée avec le voisin. Quand son mari a su ça, son mari l'a mise dehors, son mari l'a chassé comme une main propre. Mais ça, c'était l'erreur de la nature, ça. Il la met dehors. Déjà, il t'a accepté. Tes fesses sont collées à ton dos. Les formes disproportionnées à ta morphologie. La tête comme pour l'hibou. Il t'a accepté déjà avec tous ces défauts, tous ces. On dirait qu'on a pété sur ton visage, tu ressembles au putois. Donc, il a accepté d'abord tout ça. Et en plus de cela, tu viens, tu le trompes. C'est comme ça que son mari l'a pris, l'a jeté dehors. Elle, il l'a jeté dehors comme ça, elle a commencé à raconter partout qu'elle a fui le mariage. Parce que son mari, c'est un réseau chrétien. Son mari voulait la prendre à la sorcellerie. Son mari s'est monté, s'est descendu. Donc, région de l'Ouest, plus précisément à Bafoussam. Tous ceux qui désirent se lancer dans la musique ou apprendre à jouer aux instruments de la musique tels que piano, guitare, batterie. Ceux qui veulent apprendre à chanter, à danser, dirigez-vous rapidement au centre académique de Mana Music, situé à Bafoussam au lieu dit Tamja. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Notez bien, tous les enfants qui fréquentent leur formation se passent uniquement le week-end. Amana Music Academy.
là, comment une femme peut être aussi malade mentale comme ça? Comment? Je n'arrive pas à comprendre comment des personnes arrivent toujours à te suivre. C'est toi qui as gâté le deuil de Cabrel Nandjik. Tu es entré dans le cerveau des enfants là pour les faire croire que Cabrel Nandjik les avait amenés 600. Après la mort de Cabrel, tu as dit tellement de choses et qu'est-ce qui s'est réalisé? Quand la coïncidence, hein? Quand la coïncidence vient donc se rapprocher, Loi Cabrel nous a dit cela que Marie Bibi ne parle plus. Parce que Marie Bibi a prononcé son nom. Et pourtant, Marie Bibi est en train de la dévoiler aux yeux du monde pour montrer à quel point c'est une menteuse. Millions et millions de charlatans, il y en a tellement. Des vrais pasteurs, il y en a, hein. On ne peut pas dire le contraire. Mais Loi Cabrel, c'est une charlatan. Parce que dites-moi quelque chose, qu'est-ce qu'elle a déjà prédit de vrai ici? Rien du tout. Loi Cabrel, juste les émotions. Loi Cabrel a créé la psychose dans le cerveau de certains Camerounais. Parce qu'on est arrivé à une époque où tous nos influenceurs tombaient. Loi Cabrel a profité de cela pour raconter des conneries, des inepties. Une femme qu'un homme a malmené ici à Paris, elle a passé son temps à payer le mangala. Payer le suivre comme ça, que donne-moi le mangala. Que ce soit spirituellement ou dans la réalité. Elle sait que son terrain ne peut pas me provoquer. Elle vient dans la nuit, je la fous avec l'arbre de paix. Elle ne peut pas franchir mes 5 mètres 50 dans la nuit. Elle ne peut pas. Elle sait à qui fait ça. Elle vient dans la nuit, elle va vous dire que je vais la fouetter comme ça. Les traces seront ces petites fesses comme les piqûres de moustiques là. Elle peut se tourner, demandez-lui qu'elle vous montre un peu. Épisode 2. À bientôt pour l'épisode 3 avec l'étoile Cribien. J'espère que tu es inscrit pour la formation organisée par Monsieur Kenye Kamga Patrick. Si tu veux apprendre comment tout se passe sur les réseaux, gérer Meta, la monétisation de la page Facebook, comment faire pour avoir des abonnés, ne rate pas cette formation. Ciao. Tu es nouveau? Abonne-toi. Tu es ancien? Partage, dis donc.
S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.